intéressant. Richard Schulek, mon couloir encore. Le ballon est dévié maintenant. Et tapé sur tout devant. C'était chaud la fille belle et tôt. Ils sont allés stopper. Et en plus, occasion de but maintenant pour Ferreira. Deux Bruxellois au sol. Le but pendant de stand, il n'en peut pas autrement. Et voilà, l'ouverture du score avec Kevin Peque. Ce n'est pas son habitude. Le deuxième but. Hein, la qualité de la passe, évidemment, de Ferreira à destination de Kevin Peque qui s'est bien appliqué pour battre Olivier Werner. 0-1 pour le Cavero via le capitaine Peque. Peque prend son élan, il frappe fort, la latte et ça rentre. Oh, quelle frappe de Peque. C'est parti fort, même si je pense que le gardien Martin aurait dû faire mieux. Regardons ça. Ouais, hein, il est clairement fautif. Martin. Vrai, donc on est l'exemple de la lanterne de queue, Marc de Mulheim. Le descendant comme eux, on est plus en train de mettre un cuvet. Marc de queue, les gouttes de volk van scoorde de Mulheim en zo haalt hij zijn kram. Want niet gestart, ingevallen, na weinig. Andriessen met de hoekschop. En nu is het wel raak. Doelpunt van Peque, de aanvoerder van Oostende, scoort. En zo staat het ongeveer na een half uur spelen, 1-0 voor Oostende. Espère gagner pour revenir un peu plus près de Saint-Tron qui a perdu des points, peut-être sur ce coup de coin. C'était un coup franc. Et Peque qui récupère ce ballon à l'entrée du rectangle, il frappe. Et c'est au fond, juste avant la mi-temps, Ostende qui revient grâce à Kevin Peque. Et les supporters qui sont contents, ils font la fête dans les tribunes. Et je pense que sur cette frappe de Kevin Peque, Van Grotengruel avait la vue un peu masquée. Et il ne plonge qu'au dernier moment, mais c'est déjà trop tard. Un but partout, c'est aussi le score au... Et encore un coup de avec l'IA, cette fois-ci derrière le ballon. En direction de Peque, Van Grotengruel qui est sorti complètement à la pêche et c'est 2-1. Ce but-là, il est pour la pomme du gardien namurois parce que sa sortie est tout sauf autoritaire et Kevin Peque en profite. Sa tête est magnifique mais la finition est bien aidée par l'erreur du gardien namurois. Hein. Si les gardiens commencent à s'y mettre à la mur, on n'a pas fini et les supporters sont évidemment contents puisqu'on...